hadith Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, connais parce que je ne connais pas ici, je suis tout nous ban miché, parfois nous connais réflexe à réflexe dans nous. Quand nous débout de yé imam, quand le premier jour on trouve imam, c'est moi là. L'état imam al de roukou, namaz zohar, ça veut dire que du papa dit à haute voix. Imam finit l'or sur la mêlée. Moi, je suis venu trouver là, moi. Qui m'a fait? Sami Allah, liman hamida rabbana wa lakal hamd. Qui n'arrive pas à faire ça? Natacha? Combien de temps il est au bijana? On peut dire qu'il est fini. Et puis, qu'est-ce que tu as fait avant? Tant qu'imam n'a pas fait takbir, je ne peux pas avoir le droit de bouger, moi. Je ne peux pas avoir le droit de bouger. Même imam à côté avec moi. Et là, quand nous venons à côté, demain, quand nous faisons cela, 10 à 2 personnes, 2 personnes, c'est démiché, il débout parallèle, au moins ça. Pas décalé. Parallèle. Ce n'est que quand le troisième vient qui nous fait une save. Mais quand il débout, nous débout parallèle. Même les parallèles, au moins, si l'imam est levé, je ne peux pas les faire ensemble. Je suis obligé de faire, faire takbir. Qui fait que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit, qui lui paye attention, Allah subhanahu wa ta'ala tourne sur la tête en bourrique, c'est lui qui fait une action avant que l'imam prononce takbir ou avant que l'imam fait l'action. C'est une gravité. Donc, tourne sur la tête en bourrique, l'état nous guette sa ayat là, mais capable de se vivre en même. Ou, il n'y a pas un savant qui explique sa hadith, je dis, Allah subhanahu wa ta'ala fait son raisonnement, vin kouma bourrique.